Et une chope d'hydromel pour mon petit compagnon. Farkasse, elle ne veut pas me servir. Il appartient au Scal. Il a 12 hivers. Et il vient de passer sa deuxième initiation. C'est sûr qu'un concours de boissons avec vous, vous êtes perdants, les gars. Ils doivent pas être faits comme nous, les Scal. Hein? Alors, tu nous sers? Farkasse, toi, tu as déjà pas mal bu. Si je le sers, je risque une amende. D'accord. J'offre une chope d'hydromel à mon ami Gemir, venu du village d'Escal, un vrai nordique. Est-ce qu'un garde s'y oppose? Apparemment, non. Tu vois, pas de problème, tout est réglé. Depuis que les Falmer ont enlevé le Jarl Knudsen, qui commande ici? En l'absence de Bran, parti en expédition à Griffe Noire, je me charge de faire respecter l'ordre, au nom des compagnons, fidèles à Isgrabor. Malgré tes beaux discours de Nordique, vous ne savez même pas comment sont entrés les Falmer, comment ils se sont enfuis avec le Jarl. Oui, ça c'est un casse-tête. Désolé, mais votre ville est une vraie passoire, malgré vos patrouilles de garde. Une dernière chope, et on va les fureter avec Farkasse, voir par où ils ont pu passer. À part le passage secret des compagnons, que personne ne connaît en dehors des compagnons, la ville est entièrement bouclée. La nécropole, ça m'étonnerait. Et cette flotte, elle va où? C'est fermé par des grilles. Ils sont bien rentrés quelque part. Et ça va où? Les égouts. Non, c'est fermé par une grille au bout. À moins de se transformer en spectre, tu ne passes pas à travers.
C'est incompréhensible. Le puits? Il donne où ce puits? Il est rempli d'eau. Personne ne s'est jamais amusé à plonger pour aller voir. Il communique, je crois, avec les canaux de Blanche-Rive, se fermer par des grilles. Sa profondeur? Et comment savoir? La question ne s'est jamais posée. On tire de l'eau, voilà tout. Et d'ailleurs, la grille est scellée. Je connais des magiciens qui jouent avec les apparences de la matière. Rien ne leur résiste. Faire fondre une serrure. Dématérialiser une plaque d'égout. Tu devrais les amener par ici, il y a du boulot. Ces villes sont de vrais pièges. Vous ne les voyez pas tous. C'est votre ville pourtant. Je suis Grimnir. J'ai rendez-vous avec Madame Elenwen, l'ambassadrice du Talmor. Oui, elle vous attend. Veuillez monter l'escalier. Grimnir. De la confrérie noire. Après l'assassinat de l'empereur, je croyais que la confrérie noire avait été décimée par les impériaux. En partie. Il nous reste des hommes et un autre sanctuaire sur la côte nord. Bien sûr, je ne peux pas vous donner l'emplacement. Nous n'aimerions pas une autre expédition conjointe Talmor et impériaux. Je n'ai rien contre vous. Vous avez assassiné l'empereur. Et nous avons tenté de faire élire un empereur Talmor. Nous aurions pu réussir. Pourquoi vouliez-vous me rencontrer? Je ne loue que mes services. Si vous ne me dénoncez pas aux impériaux. Depuis la prise de solitude par Ulfric et ses sombrages, les impériaux sont dispersés dans des campements de fortune, hors des villes. Leurs généraux sont courageux, mais sans nous, les Talmor, ils ont perdu la guerre contre Ulfric. Ils ont besoin de nous pour la reconquête des villes. Blanche-Rive, Solitude, et aussi Vendôme, la cité d'Ulfric. J'ai des informations pour vous, si vous pouvez payer. Tout dépend de l'information. Vous savez que les Falmer sortent de plus en plus souvent de leurs cavernes et s'en prennent aux Nordiques, sans distinction. Leur dernier fait d'armes, l'enlèvement de Knudsen, le jarl de Blanche-Rive, l'allié d'Ulfric. On m'a parlé d'un cavalier blanc portant l'ancienne armure des Falmer. C'est lui qui aurait réveillé les Falmer, les anciens elfes des neiges. On ne sait pas qui il est, mais il livre une guerre totale contre les Nordiques, ce qui devrait vous arranger. Et puis vous êtes des elfes, vous aussi. Des elfes. Nous sommes de hauts elfes, venus de l'archipel de l'automne. Ah oui, les hauts elfes. Pardonnez-moi. Et j'avais oublié cette différence suprémaciste. Votre humour ne me plaît pas, et je peux vous faire arrêter par mes gardes. Après tout, vous appartenez à un ordre d'assassins. Oui,
dont certains puissants ont longtemps utilisé les services. Madame l'ambassadrice, une alliance avec les elfes des neiges écraserait pour toujours Ulfric et ses sombrages. Vous parlez de ces Falmer, ces créatures répugnantes qui furent des elfes il y a bien longtemps. Ils le sont toujours. Mais certains disent que le cavalier à l'armure blanche n'est peut-être pas vraiment un homme, mais un esprit, revenu se venger. Ah bon, un esprit. Le prince des neiges, le héros légendaire des elfes des neiges. Je connais son histoire. Mort à la bataille de Mesring, au cours de la première ère, lorsque les elfes s'opposèrent à Isgramor, et son corps fut placé sous un cairn, avec honneur, par les Nordiques. Vous aimeriez peut-être le rencontrer. Nous pouvons faire ça. La confrérie noire observe les activités des Falmer depuis un moment déjà. Croyez-moi, madame, nos espions sont toujours efficaces. Prince des neiges ou pas, arrangez-moi une rencontre. Nous sommes trop peu nombreux. Où est le reste du groupe? Il explore plus en arrière. Bran, ce monde souterrain est immense, profond. Il faudrait des centaines de milliers d'hommes pour occuper chaque mètre carré de terrain. Ulfric a demandé qu'on nettoie Griffe Noire de tous ses Falmer. Moi aussi, ça me paraît impossible. Mais on a devant nous une espèce de forteresse souterraine qui a l'air d'avoir de l'importance. Il y en a sûrement des centaines disséminées dans tout Griffe Noire. Mais vous avez raison, Bran. Celle-ci est particulière. Ce globe m'intrigue. Il est chargé d'une puissante énergie, mais elle est inactive. Attendons le second groupe et passons à l'assaut. N'oubliez pas qu'on doit retrouver aussi le Jarl Knudsen. Merdin, la forteresse est libre, mais pas de traces de l'homme à l'armure blanche. Sans doute, mais une curieuse impression me vient de cette tour. Une sensation. J'éprouve aussi une sensation de malaise. Il y a quelque chose à l'intérieur. Parfois, je peux sentir assez loin. Disons qu'il y a quelques créatures agressives et une autre qui a peur.
Eh bien, allons voir ça. Un lieu de culte. Ces créatures sont les esclaves des Falmer. Elles gardent quelque chose. Comment avez-vous fait ? Bran, soyez remercié. Jarl Knudsen, vous êtes là. Knudsen, avez-vous rencontré le prince des neiges ? Les Falmer lui obéissent. C'est lui qui a pénétré dans mon appartement de Blancherive, avec ses Falmer, et qui m'a forcé à le suivre. On devient fou ici. C'est un guerrier inflexible, avec une étrange lueur dans le regard. Il a menacé de m'arracher un bras, celui qui tient l'épée. Parfois, il murmure des mots qu'on ne comprend pas. Il s'entretient avec des esprits, sans doute. Je vais laisser quelques hommes dans cette forteresse. Des espions pour surveiller les activités des Falmer. Nous retournons à Blancherive. Des espions, pourquoi pas. Mais il se peut qu'ils ne remontent jamais à la surface. Merdin, ce que nous venons de faire est important. Nous ramenons le Jarl Knudsen à Blancherive. Et nous avons nettoyé ce nid de charognard. Bran, sortons d'ici. Cet endroit me fout la trouille. On va rester longtemps ici? Jusqu'à ce qu'Ulfric envoie des renforts, on reste ici. On ne s'aventure pas dans la caverne. Ma famille m'attend à Vendôme. Et alors, t'es jamais parti en mission? Oui, là c'est différent. On est comme enterré dans la bouche d'un monstre. Erhard, ouvre-moi ce fût de bière et arrête de larmoyer. T'es un sombrage. Tu l'aurais oublié? Il s'est passé quelque chose. Tu sens, Elfgar, cette odeur de sang? Et pas un Falmer à l'entrée, Seigneur. Il y a des cadavres. Falmer et Sombrage. Alfgar, il y a des sombrages ici, et ils ont libéré le Jarl Knudsen.
Nous sommes dans nos corps sans être là, Ulvigar. L'esprit n'a pas quitté le cairn. Il lui faut nos anciens corps. Et les voilà. Nous ne sommes pas des fantômes. Je viens de ressentir l'ivresse du combat dans tout mon corps. Tu avais la même rapidité à la bataille de Mösring. Tu dégageais la même lumière. Avant d'être tué par une enfant. Cette fois-ci, nous avons un allié puissant. Celui qui vous a réveillé dans votre cairn et vous a dit ce que les Nordiques ont fait réellement après votre mort. Ce Dédra, pourquoi nous aide-t-il? Il n'a pas d'autre but que d'ouvrir une porte sur l'Oblivion, comme il a déjà tenté de le faire pendant la crise d'Oblivion. Et ça, je m'y refuse. Mais Rune Dagon est très puissant. Il peut peut-être entendre notre discussion. Je dis que je suis revenu combattre les Nordiques, leur faire payer ce qu'ils ont fait, jusqu'au dernier. Quant à l'ouverture d'une porte sur l'Oblivion, je refuse. Bord de ciel serait aspiré dans l'Oblivion, et toutes les créatures vivantes, esclaves des Dédras, ou bien livrées au feu et à la torture. Non, Ulvigar. Nous sommes les enfants de bord de ciel. Cette terre a nourri notre corps, mais aussi nos rêves. En tout cas, pour la première fois, une armée de sombrages s'est aventurée dans Griffe Noire. Que va-t-on faire? Rassembler tous les falmeurs de Griffe Noire, près des ruines silencieuses. Je serai là. Voilà un discours que j'aime entendre. Et où tu vas, Rétino? Je vais chasser près de la tour. Ayla est au courant, mais ne t'éloigne pas trop. En espérant ramener du gibier. Des Falmeurs. Sauve-toi. Tu devrais même pas essayer. Tu n'as aucune chance, gamin. Tu es à Rétino. Tu vas nous suivre. Et d'abord me donner cette épée. J'espère que vous le retrouverez, Bran. Merci. On verra si le renseignement est exact. Thank you.
l'auberge de la Porte Nocturne. C'est souvent le rendez-vous des comploteurs, de ceux qui se cachent ou qui ont l'esprit pas tranquille. Venir si loin, j'espère que l'information vaut le coup. Sinon, je lui arrache la tête. Mon nom est Bran le Nordique. J'ai rendez-vous la première chambre sur votre gauche. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous avez demandé à me voir au sujet d'Aretino. Vous êtes venu. J'ai reçu votre message. Pour retrouver mon fils, je m'accroche au moindre espoir. Je peux vous aider. Pourquoi, vous savez quelque chose? Je chasse souvent dans la montagne, et je vois parfois des choses qu'on ne devrait pas voir. Je sais où est votre fils. Que lui est-il arrivé? Il a été enlevé. Il est retenu dans une maison gardée par deux Falmer, une maison abandonnée. Ah, je m'appelle Dayanira. Montrez-moi l'endroit sur ma carte. Ça ne se passe pas comme ça. Je viens avec vous, et je vous montrerai le chemin. Comment vous faire confiance? Me croire, c'est tout. Et ne me poser aucune question. Je vois que je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi l'hôtel de Mérune Dagon? Parce qu'il veut vous voir. Quel rapport avec mon fils? Je ne suis pas dans les confidences du maître. Vous appartenez à l'aube mythique. Désolé de vous avoir trompé avec ces vêtements. Vous avez peur? Du dédrap de la destruction? Parce que je veux retrouver mon fils. Non, je n'ai pas peur. Entrez dans le sanctuaire, Bran. Andremora. Il en a des légions comme ça. Voilà donc Bran le Nordique. Voyez-vous, Bran, j'aide le prince des neiges. Je l'ai arraché au sommeil de la mort.
Cette guerre contre les Nordiques, tous les Nordiques, va déployer une énergie meurtrière puissante, ce qui me permettra d'ouvrir une porte sur l'Oblivion, ici même, dans cet hôtel qui m'est consacré. Je veux mon fils. Il est détenu par les Falmer. Il servira peut-être de monnaie d'échange. Mais pour ça, il faut s'adresser au prince des neiges, pas à moi. Le prince des neiges a été tué au cours de la première ère, à la bataille de Mesring, un héros légendaire, enterré dans un cairn par les Nordiques, avec tous les honneurs. Pourquoi tuerait-il ceux qui l'ont inhumé avec respect et même admiration? Un petit mensonge. Je suis aussi le dédra des mensonges, Bran. Je lui ai dit que son tertre avait été profané par les Nordiques d'Ulfric. Il m'a cru. C'était suffisant pour allumer sa rage. Dites-moi où est mon fils. Vous plaisantez, Bran. Vous êtes mon prisonnier. Je ne sais pas encore ce que je ferai de vous. Peut-être le prince des neiges demandera votre tête. Ce sont de bons échanges entre nous. Je pourrais tirer l'épée, mais j'imagine déjà la scène. Ça ne servirait à rien. Ça ne vaut même pas la peine d'essayer. Je suis gardé par des Dremora. Je ne peux rien faire. Ils me tueraient. Combien de Dremora lâchera-t-il sur bord de ciel s'il ouvre une porte sur l'Oblivion? Une armée de guerriers des ténèbres. Et où est Aretino? Comment sortir d'ici? Corberoc, seigneur, nous voilà dans l'île de Solstheim. Les armées Falmer de Griffe Noire marchent sur Vendôme. Elles attendent mon signal pour attaquer la cité d'Ulfric, le profanateur. C'est étrange de se retrouver dans un corps et d'être en même temps là-bas. Je suis de garde sur la passerelle qui mène à votre cairn, seigneur, comme beaucoup d'elfes valeureux tombés à Mesring. Moi aussi, j'ai la même vision. Je suis ici et là-bas en même temps. Et où allons-nous, seigneur? Solstheim me concerne personnellement. C'est ici que j'ai perdu la vie, à la bataille de Mesring, tuée par une fillette de 12 ans, pleine de rage, parce que j'avais fendu sa mère en deux. Nous nous battions contre les armées d'Isgramor. Elle a lancé l'épée d'un nordique. La gamine ne représentait aucun danger. Tu vois, Avgar, l'impossible peut arriver. Sa descendante est ici, dans l'île, Freya. Elle est la chamane du village d'Escal. Je vais mettre un terme à leur descendance. Ensuite, brûlons leur village. Ceux-là sont encore plus nordiques que les nordiques de bord de ciel. Qu'est-ce que c'est?
des Talmor. Je suis le messager d'Elenwen, l'ambassadrice du Talmor pour bord de ciel. Nous pensions que nous aurions une chance de vous rencontrer dans l'île. Vos espions ? Nos mages travaillent dans l'ombre. Le Talmor est puissant. Elenwen vous propose une alliance contre les Nordiques d'Ulfric. Nous avons un ennemi commun et nous sommes des elfes. Des elfes ? Je viens de la première ère. Nous sommes les derniers elfes des neiges. Vous, vous avez dégénéré, comme les Falmer, mais d'une autre manière. Vous aimez mieux frapper dans l'ombre. La clarté d'un champ de bataille, c'est pas pour vous. Pour moi, héros de Musring, surnommé le prince des neiges, vous n'êtes pas des elfes. Une alliance avec vous ? Jamais. Je préfère vous tuer. Vous êtes du poison. Aucune nouvelle de Gémir, mais il m'arrive de le voir au cours de mes visions. Il est si jeune, mais il possède les protections du clan. Freya, il est avec Merlin, ce mage venu d'un autre temps. Sa magie est puissante. Gémir ne risque rien. J'ai fait un mauvais rêve cette nuit. Un avertissement, je ne sais pas encore. Une ombre noire planait sur le village.